Envoyez. Envoyez. Il y a un film dont vous auriez aimé être le héros. Le héros. Le cinéma, on peut pas rire. On doit pleurer toujours. 4 films en 25 ans. Alors moi j'ai décidé, je vais dire maintenant, je vais faire 25 films en 4 ans. Allez l'artiste, c'est pas le moment de rêvasser. Toujours des voyages. Là, je pars toujours de Paris, je vais ailleurs. Alors là, je vais vers l'océan. Aïe, où crois-tu qu'il nous emmène? Oh, tu verras bien. J'avais mis un peu d'argent de côté, comme ayant travaillé à la télévision. Alors, ça, c'est... Pour une surprise, c'est une surprise. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bernard Ménès, la première fois que je l'ai vu, il est entré dans le bureau. C'était le premier qui se présentait pour le rôle. Je me suis dit, c'est pas vrai. Fais attention à ce que je veux dire, parce qu'il est là. Oui, oui. Je vous demande pardon. Je suis pas tyrannique. Je ne sais pas si on dit que je suis tyrannique, je pense pas. Non. Et puis alors il demande. Jacques Rossier, le cinéaste indépendant, il a créé son système où il doit tout faire. C'est une improvisation complètement contrôlée, hein. Ça a l'air comme ça. Allez Marcel, alors un petit peu tête de porc. Non. Oh bah Marcel, à ton âge, tu vas quand même pas faire attention à ta ligne. C'est trop rare, pourquoi? C'est peut-être parce que je suis très paresseux. Je tombe à la gare. Les films importants de la Nouvelle Vague, c'est bien entendu À bout de souffle, Les 400 coups et Adieu Philippines. Ça, j'en suis sûr. Il est un peu fou. Je crois que tous les gens qui font des choses intéressantes dans le cinéma sont un peu fous. Parfait. Il est bon, hein?